Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 5 astuces YouTube. Première astuce, vous devez aller sur un live, bon n'importe lequel, moi j'ai pris un live Fortnite, et il faudra mettre ses inscriptions pour faire des logos. Alors le premier logo, le logo YouTube, il faudra mettre 2.yt, 2 points, donc tout collé en minuscule, et ça fera le logo YouTube. Pour le logo YouTube Gaming, il faudra mettre 2.ytg, 2 points, ça fera le logo YouTube Gaming. Pour un emoji qui sourit, il faudra mettre 2.awesome, bon j'ai pas d'accent anglais mais voilà, tout collé en minuscule avec les 2 points au début et à la fin. Et pour un visage d'un personnage, vous mettez 2.jackpeter, donc voilà. Donc il faut bien respecter l'orthographe et coller le mot et les deux petits points et tout mettre en minuscule, sinon ça ne marchera pas. Donc vous l'envoyez, ça fera des emojis sympas et ça se verra bien. Pour la deuxième astuce, il faut aller sur une vidéo en commentaire, donc pour rayer ou mettre en gras votre commentaire. Pour rayer votre commentaire, il faudra mettre un tiret au début du commentaire et le coller à la première lettre. Et mettre un tiret à la fin. Pour le mettre en gras, il faudra mettre un petit astérix comme une étoile au début du mot, collé à la première lettre, et un autre à la fin du commentaire. Et voilà le résultat. Pour la troisième astuce, il faudra aller dans une vidéo. Vous allez dans les trois petits points en haut. Donc moi j'ai pris une vidéo de Romy, voilà. Donc vous allez dans les trois petits points en haut à droite. Et vous mettez la qualité 720p60, donc c'est la meilleure qualité. Et si vous voulez mettre la vidéo en accéléré ou en lent, vous allez dans vitesse de lecture. Plus vous allez en haut, plus ce sera lent. Plus vous irez en bas, plus ce sera rapide. Donc voilà, si vous êtes pressé, bah vous pouvez le mettre en rapide. Et si vous voulez rigoler, mettez en lent. C'est vraiment très drôle. Pour la quatrième astuce, c'est pour savoir comment mettre une vidéo en ligne. Donc vous pouvez faire enregistrer ou filmer votre petite vidéo. Voilà, par contre c'est sans montage, donc c'est pas top. Mais bon, si vous voulez faire une vidéo à l'arrache, c'est super. Et enfin, pour la cinquième astuce qu'on me donne tout le temps, c'est pour faire un live. Donc, vous allez à côté d'enregistrer, vous faites passer au direct. Donc, voilà, vous choisissez un titre, voilà, et tout. Et vous démarrez le live. Donc, on m'a beaucoup demandé ça. Donc, voilà comment on fait. Et donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci énormément pour les 600 abonnés. Et je vous dis à tout bientôt. Bye!